les studios de la Gaming House à Marseille. Et aujourd'hui, pour le débrief, on a quelques invités. Voilà, ça s'affiche à la map, on te voit plus, d'ailleurs. Salut, Nabil, ça va? Tranquille. Explosion. Oui, donc... Il y a quelqu'un amoureuse de Noxor. Non, c'est Diamond qui rush complètement, qui donne la vision inclusive. TF, très bien joué, l'ultime XP, j'ai bien placé, l'ultime complètement débarqué. Non, il y a l'ultime Lulu qui fait sustain, l'ultime de son ami Tic, Malphite qui déboule et qui débuffe absolument tout le monde. Olaf qui tombe, TF. Ça prend vraiment très très cher le swap de Malphite, langage de Darien qui est au milieu du fight. Tout TF, c'est énormément de dégâts, l'ultime de Genjak est énorme. L'ultime de Miss Fortune qui fait vraiment le café. Il y a le bouton qui se fait complètement dévoiler par les TF, on n'avait pas encore fade. Les Gambits qui mènent ce fight d'une main. Je veux dire ça, il y a deux personnes sur Darien, 3 cap, et il se barre. Il se barre, ulti, et c'est du gros bait. Il y a Diamond, les deux monstres contre toute l'équipe platine, et ils tiennent complètement le fight. Ulti, ulti, nous compte, personne ne meurt, TF, tout est fait directement. On s'est mis du fight, il ne meurt pas, il ne meurt pas. Oh, le fight à ulti. Mais c'est la même pas besoin de carrière, il n'y a pas besoin, il n'y a besoin de personne. Il y a des 5 emportés des Gambit Games sur le qui veut tenter un 2v1. Oh ouais, c'est dur. C'est extraordinaire, les gros gros dégâts qui étaient en 3 et 2 avec une attaque flash qui s'imagine pour le la cage. Mort, c'est la mort. Arrête, tu vas arriver par derrière. Oh, le TP sur le mauvais sens, c'est T-pop. T-pop total de Genja. Vraiment activé là, le mec qui a l'air un peu de se faire. Ah non, non, il va par là. Il gagne du temps pendant qu'il fait le match. Il a forcé le dégât de Bolivie en dans l'autre sens, ça fait de la chance. Là, le droit des chutes qui fait beaucoup de dégâts. Et l'ulti TF qui révèle le plan. Ça sera beaucoup trop tard. Est-ce qu'il va tenter d'y arriver? L'ulti de SBL pour essayer de résoudre. Oh, il a raté son portail. Hop là, le Nashor et l'Olaf qui est toujours vivant. Il est toujours là, l'Olaf. Il est toujours là. Il s'amuse. Mais il va sûrement tomber. Il est très très low life. Il a qui le Oh, ah non, le flash. Oh, le reste qui dépare. Il survit, mon dieu. Survit, reste, il va finir sur le flash. Il va finir sur le bout de baron qui va la la partie qui va sur Wicked. Wicked qui se met totalement des pop. Wara ulti de Sonas. Nous fait en plein milieu d'une fight. Il essaye de tout speed sa art. Focus Candy Panda. Mais il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Les Rangines qui se stack au stack. Ezreal double kill. Candy Panda qui tombe quand même. Crepo qui suit juste derrière. Osplug qui est également mort. Sur Nive qui lui enlève pas énormément d'HP. Vont-ils aller prendre l'inhibiteur? 3 possibilités. From the shadows I come. Et nous sommes repartis dans ce Shootcast DLCS, saison 3, déjà 4h30 avec nous, Twix et Lege sur Miamti 2. On est in the game, go, Chazzy. Allez, go, on go, est go. Là, on retourne au moment où on avait quitté la partie il y a maintenant quasiment une heure, j'ai l'impression. Et nous avons donc snoopé dans le petit bush que vous voyez, les Fnatic et les Evil Genius qui ont donc commencé cette partie. 4 minutes, attention, premier gank de la part de Shogat, le stun qui va passer, c'est très bien joué, le stun après, ouh, de la part d'Anivia, ça ne touche pas sur XPK, c'est pas passé à beaucoup hein, de ne pas toucher, non, un très beau shumpo. Passe beaucoup, non, c'est pas 480, c'est pas ça le problème. Tout est freeze. Et encore une fois, les mêmes soucis. Je sais pas comment ça va se passer. Cette fin de LCS, ça commence à devenir très dérangeant pour Riot, surtout. Pour nous, c'est très dérangeant, on est d'accord. Vous avez prévu votre journée devant Miamti 2 entre 15h et 19h30 pour regarder les LCS. Après, entre 19h30 et jusqu'à plus tard dans la nuit. Ah, rebascule sur la scène et regardez. Regardez à gauche. Mets ta souris, Chazzy. Mets ta souris sur Atom Team to Reconnect. Regardez ça. Il y a des blèmes de net. C'est du... Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, mais il y a des blèmes. Et on sait quand même que nous avons des problèmes d'internet à l'ESL. Donc c'est dans les studios de l'ESL TV. À Cologne. À Cologne. Et
ils ont actuellement des gros problèmes d'internet. C'est ça de pas mettre de Motlan. Est-ce que tu... Ouais, exactement. Exactement. Quoi ? Il n'a pas mis plus 6, ils sont sur IRC et voilà, ils sont snipe lippés et puis voilà, GG Noro. Est-ce que tu penses que ça peut dégrader les relations entre Riot et l'ESL, ce genre de choses ? Il n'y a pas eu de problème pour le NA. Pas eu de problème pour le NA, exactement. Et c'est ça que je me disais un petit peu. C'est, on voit pas de problème quand c'est Riot vraiment qui stream, qui s'occupe de tout ça. Mm-hmm. Quand ça passe par l'ESL, on a quand même pas mal de problèmes en Europe. Peut-être qu'ils pas les premiers. C'est peut-être des personnes mal intentionnées aussi. Enfin, on est très bien placé pour en parler. Hein, ouais. Après tout, des personnes mal intentionnées qui essayent de mettre à plat les connexions par diverses manipulations. Bon, Bora, il en a marre. Hein. Ouais, il a faim, Bora. Quand Bora commence à manger, ça veut dire qu'il est vénère. C'est que il est en train de se calmer. Il est en train de se calmer. Ouais. Voilà. Il est gavé. Il est gavé. Il est en train d'être gavé. On rigole bien sûr avec Yellow Star que vous voyez donc tout au fond. On est peut-être un peu méchant, vous trouvez, avec lui, mais non. On le taquine juste. Hein. Ne vous inquiétez pas, on est vraiment en très bon terme. Ouais, très mais genre c'est le big bro quoi. Ouais, c'est. Moi personnellement, toi tu le connais donc depuis quelques temps avec League of Legends. Ouais, depuis 2 ans. Depuis 2 ans, donc les débuts de League of Legends. Il a été un des meilleurs carrières des Français pendant un bon moment. Il était déjà, il y a 4 ans, sur la bêta avec Kuja, etc. Ça faisait partie des top players. Déjà. Lorsqu'il n'y avait pas de système de Halo, qu'il y avait un système de Halo en fait, qui était publié chaque mois en news sur le forum League of Legends. Il était toujours là. Ouais. Comme quoi l'évolution de League of Legends. Ouais. Et c'est il y avait Kuja, il y avait Soa, si je me souviens bien aussi. Enfin, il y avait déjà tous les joueurs d'aujourd'hui. Et voilà, donc on attend patiemment. La game est en pause. Vous voyez sur l'écran sur l'écran des joueurs. Donc voilà. On n'a pas vraiment pas forcément d'informations là. Voilà, on n'a pas d'infos. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Toujours en train de manger. On va rebasculer sur eux parce que c'est plus intéressant au final. Ouais, parce qu'ils sont en train de manger. Vous avez vu, hein, ça a été aggro le paquet de Haribo par. C'est qui juste à côté là ? Qui ? C'est Cyanide. Cyanide. Cyanide, il a aggro les Haribo. Exact. Ouais, il mange des petits volumes. Soaz est tout derrière, c'est ça ? Non, c'est Enrated. Non, Soaz est au deuxième plan juste derrière Cyanide. D'accord. Et au premier plan, c'est XPK. XPK. Putain, j'arrive pas à trop le reconnaître là. Dommage. Et nous avons quelques informations. On va vous tenir au courant. Apparemment. Attention, parce que là, je sens qu'il va y avoir. Avoir explosion de haine sur IRC, donc faites attention. Alors, ce n'est pas confirmé. C'est pas confirmé, et nos modérateurs sont présents, donc attention à ce que vous allez dire. Attention. Les pieds bouchent. Ils peuvent partir. Apparemment, ça devrait être postpone. Postpone, que cela veut-il dire, Postpone. P-O-S-T-P-O-N-E. Deux mots en un, en anglais. Postpone, ça veut dire reporter. Apparemment, ce n'est pas confirmé, c'est juste une info brute qui vient de sortir sur le... Brute d'orge. Sur les casteurs, enfin sur les techniciens ESL, apparemment les matchs seraient reportés à demain. Ce qui nous permettrait de faire notre meublage. Oui. Voilà. Jusqu'à demain. Donc on va rester donc avec les playlists de Ledge LOL sur Groupe Shark, donc on va... non, on fait pas ça pendant 24 heures, s'il te plaît. Eh, tu sais qu'on a 24 heures de musique avec Groove Shark. Masse, ouais, on a masse de temps. Alors là, on peut y aller, il n'y a aucun problème. L'Alanion eSport, vous l'avez vécu de 10h à 15h. Aujourd'hui, vous la revivrez bien sûr demain de 10h à 15h, mais vous la revivrez aussi juste après notre stream. Donc restez avec nous, même si vous étiez là pour les LCS ou quoi. Venez découvrir aussi un petit peu le meilleur niveau français, les amis, puisque l'Alanion eSport, c'est quand même un des plus gros événements, si ce n'est le plus gros événement en France sur League of Legends, avec la Gamer Assembly et la PGW Nigeria. Exactement, c'est exactement ça. On est d'accord. Donc s'il y a 3 événements à pas louper, c'est PGW, Gamer Assembly et l'Union Esports. Et aussi une petite LAN sur Toulouse qui regroupe 30 personnes. Non, je rigole, bien entendu. Est-ce que tu as envie d'aller faire une petite LAN, toi? Grave, j'aimerais bien avoir le temps. Tu voudrais bien avoir le temps, ouais. On en fera quand il y aura le toll. On en fera. Vous inquiétez pas, on fera même. Et il y aura le carré du toll dans les LAN. Il y aura le carré du toll dans les LAN et il y aura même des LAN dans le toll. Tech TV. Toll TV. Exactement. Ah bah ouais, bien sûr. Attends, on n'a pas acheté un billet à un baby foot. Chut, mais spoil.
Spoil. Tu spoil. Ah, spoil oui, pas. Oui, je veux ça. Tu spoil. Bah attends, c'est pour les teas un petit peu. Ah, est-ce qu'on peut voir le chan officiel, mon cher chasisseur? Voir un petit pas d'info. Wait. Ok, wait. Donc, wait. Ça, ça c'est du verbe waiter. Non, donc, clair, je wait, tu ah, wait. Ça, c'est bon, ça. Il wait, nous waitons, vous waitez, ils ou elles wait, ENT. Et non, c'est là où t'as. Ah non. Quoi c'est si, au présent de l'indicatif. C'est irrégulier. Hein, c'est irrégulier, pardon. C'est wait. Wait, wait. Il wait. ENT. ENTS. 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 C'est vrai. Parce que j'étais toujours la. Oui, oui, non, mais c'est le diphtongue. Le diphtongue. Le diphtongue. Le diphtongue. Le diphtongue. Bien dur. Bon, waits. Wait. Bon, on est en train de craquer, ne vous inquiétez pas. On attend encore une fois les informations de nos officiels Riot. De quoi on pourrait vous parler un petit peu? Qu'est-ce qu'on pouvait vous redire? Bah, on a déjà redit. Pas grand-chose en fait, hein. C'est plutôt à vous de nous aider maintenant. Attends, on ne sait pas. À un moment, ça peut partir, il ne faut pas que ça parte maintenant. Ne t'inquiète pas. Non, non, chadisseur, tu vas choisir des questions. Voilà, tu vas choisir des questions. Tu vas choisir des questions. Parce que quand même, j'ai vu ça, j'ai fait... J'ai vu ça, j'ai fait... Oui, non, mais bon. Non, non. Alors déjà, on n'a pas assez de vêtements pour le faire. Ouais. Voilà. Et donc, niveau faire... alimentaire, enfin on va avoir des problèmes avec l'ASPR. On va avoir des problèmes, voilà, c'est ça. Exactement. Bon, pour eux. Question. Question, donc sur l'IRC 10.2 sur savoquacktech.org ou alors sur le web chat juste en haut à droite de votre lecteur. Il suffit de chercher dans la liste à droite M entre crochets Régie et de faire un clic droit Query et de lui poser vos questions qu'il nous transmettra. Est-ce que tu peux lui balancer le micro? Comme ça on se prend plus la tête, tout ça. Voilà, je mets ça là. Voilà, c'est bon. C'est bon, on est calé. Je mets la sucette ici. C'est très bien. Micro. C'est ça la sucette. Oui, ouais, c'est la sucette. Très bien. C'est Vincent Lagaffe qui dit ça. Ouais. Vincent Lagaffe. La très sucette. Bon animateur. Très bon animateur. Très bon animateur. Bon, il est chaud maintenant. Il s'appelle Lagaffe. Lagaffe, si, Vincent. Mais bon, enfin bref. Allez, quelques questions, vous pouvez nous les poser si vous en avez envie. Je vous rappelle comme nos réseaux sociaux, Twixila, T-W-E-E-K-Z-I-L-A. C'est facile à retenir. T-W-E-E-K-Z-I-L-A. Un seul L, un seul A, un seul I, Twixila. Un seul T, un seul K, un seul Z, un seul W. Vous tapez Twix sur Google, en fait. Mais deux E. C'est... c'est ça. Twix sur Google? Twix sur Google, ça marche direct. Ah ouais? Attends, je check. Mmh, la classe. Ah. Moi, l'aide sur Google, ça marche pas direct. Hein. Moi, je préfère vous le dire. Ah, boum! Ouais, Twix, Facebook, directement. Twixila, voilà, allez sur Google, voilà, ce sera beaucoup plus simple. Vache. Et moi, si vous tapez Lège, donc, dans Google, vous trouverez une petite ville charmante de Vendée. Non! C'est ton Facebook en premier. Ah, c'est mon Facebook en premier. Juste après, c'est Lège Wiktionnaire. Voilà. Donc, Lège masculin et féminin, identique, marine... Attends, je vais cliquer, étymologie de quoi qui est vide ou n'a pas son chargement complet. Tu es vide. J'y vais à Lège. Qui est vide. Ah, il a dit qui est vide ou qui porte peu de choses. C'est vrai ça, tu portes peu de choses. C'est vrai, je porte peu de choses. Peu de choses. Alors, argot léger, le 5.20 n'est pas Lège. Ouais, c'est 7 ouais, gecko. Non, hein. C'est nul ça. C'est 7 gecko dans Cabochard sur Allo Drive. Sur Wikipédia. Go. Lège, voilà. Lège moi je parlais de Lège. Commune française de la Gironde. Gironde. Et Lège, commune française de la Haute-Garonne. Et j'avais d'ailleurs fait une photo. Un navire Lège est un navire sans cargaison. Le déplacement Lège désigne son cas de chargement. Tu sais que j'ai une petite photo à Lège. C'est vrai? Ouais, j'ai une photo à Lège. Avec moi devant le panneau de Lège parce que j'habitais en Haute-Garonne. Donc on était passé par Lège un jour. Lège à Lège. Non, mais c'était même pas en Haute-Garonne que j'ai été. C'était en Gironde. Lège à Lège. Non, mais ça, non, j'ai pas publié la photo sur pas Internet. Publié, bon, ouais. Non, c'est une photo personnelle. Je peux aussi ne pas publier des photos sur le Facebook ou des choses comme ça, j'ai le droit. Si, si je fais Lège, à mon avis, je tombe sur tout. Ah non, mais carrément pas. Oh. En fait, ton pseudo, il est... Mais mon pseudo est un petit peu répandu. Mairie de Lège Cap Ferré dans le 33. En maison général. Familiale. Je vous interromps de deux Lège, minutes. Centre de formation d'apprentis. On a des nouvelles. Son quatrième et troisième. On a des nouvelles sur les matchs. Conduit. Quoi? On a des nouvelles sur les matchs. Attends, ok, j'ai lu. Ok. Ok. Reporté à demain. Ok. 6 matchs demain à partir de 13h. Ok, très bien. Donc, mesdames et messieurs, tenez-vous bien. Donc,
Pour ce soir, les LCS, LOL, EU sont terminés. Vous allez retrouver la Lannion eSport dans quelques instants. Avec Zerator. Avec Zerator, Mantis et Jack. Les matchs des LCS EU sont reportés donc à demain, puisqu'il y a encore deux matchs à jouer de la journée d'aujourd'hui. Donc Fnatic contre EG, ainsi que SK contre Dragonborns. Voilà, c'est directement sur officiel. Donc ces deux matchs-là sont reportés à demain. Le start a d'ailleurs été prévu demain à 15h, commencera donc 2h plus tôt, c'est-à-dire à 13h. À 13h, donc jusqu'à 19h30. Jusqu'à 19h30. Donc demain, rendez-vous à 13h. À 13h sur la Millennium TV2 pour la suite et fin de ces LCS EU, semaine numéro 5, journée numéro 1 et 2 en fait. Ouais, tout simplement. Voilà. 1 et 2. Mais bien sûr, j'espère que vous serez présents aussi sur Millennium TV2 avant, puisqu'à partir de 10h, la LAN Lyon eSport prendra le live sur la Millennium TV2. Donc j'espère que vous serez présents dès 10h demain matin jusqu'à très tard dans la nuit pour suivre ces LCS. Exactement. Donc demain pour le programme, donc à 13h, nous aurons Fnatic contre EG. Ensuite, SK contre Dragonborns. Enfin, nous commencerons la journée normale du dimanche avec Fnatic contre SK, Dragonborns contre Against All Authority. Peut-être une deuxième victoire pour AAA. Ça va être un très très bon match à suivre pour les Français. On aura aussi Copenhagen Wolves face aux Fnatic. Et le dernier match de cette semaine, ce sera EG contre Against Authority. Et je tiens à signaler quand même que sur lolesport.com avec un S à la fin de eSport, vous pouvez retrouver les matchs et aussi voter. Voter pour exactement votre favori lors des différentes rencontres. Vous votez. Ah, tu votes qui, EGA? En dessous de l'équipe. Moi, je vote AA. Ah, je vote AA, évidemment. Vote. Je vote AA tout le temps. 90% pour EG, 10% pour AA. Bizarre, alors, ça. Un autre ça, match. Donc, le match d'aujourd'hui, tiens, donc Fnatic EG. Ouais. Moi, j'étais plutôt Fnatic. J'étais plutôt Fnatic aussi. Ouais, ouais. Fnatic, et Fnatic 55%. Ouais. Ok. SK Gaming contre AA. SK Gaming contre AA. Donc, je vois tout pif. Voilà. SK Gaming 71%. Mmh. Et pourtant, ce sont les AA qui ont remporté la victoire. Mais sérieux, Fnatic sérieux. SK, tiens, je vais voter SK. Et Fnatic 72%. Aïe. Je pensais qu'il y aurait eu un petit peu plus de AA Dragonborn. Ça, c'est un match serré, ouais. Ça. AA. On vote AA. Et 69% pour les Dragonborns, hein, quand même. Ça, c'est la communauté polonaise. Avec Chouché, ils sont pas très... pas test. Alors, les AA, dans les 3 matchs qu'on a vus, ils sont donnés perdants. Bah oui, mais ça, c'est les Français, tu sais, les French Tard. Personne ne les aime en solo queue. Ouais, c'est vrai. Tu iras discuter de ça avec Zerator, tu vas voir, il a une bonne idée des Français en ladder. On va se laisser sur ça, les amis, et on va retrouver la LAN Lyon eSport dès à présent sur Miam TI2. On vous laisse avec Twix et on vous souhaite une bonne fin de soirée. On est encore désolé pour les problèmes. On se donne rendez-vous demain, 13h, pour les LCS. Ciao, ciao à tous, passez une très bonne fin de soirée avec Zerator.